Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Donc toujours pas Elite Dangerous Horizon, toujours pas de bêta sur Elite Dangerous Horizon. On verra ça à l'avenir, chers amis. Donc nous retournons dans le site d'extraction de ressources faible intensité, toujours le même. Et donc on va aller se faire un petit peu de pognon. J'ai remarqué que je dis souvent eux aussi dans mes vidéos. J'ai eu un doute l'espace d'un instant que ça allait pas le faire. Bon. On y est. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Je vois quelques spots sur le radar là-bas par groupe de 3, c'est pas bon signe. Soit c'est une escadrille. Soit. C'est une escadrille, mais ça a pas l'air d'être des vilains. Hop. Crac. Bon, on va aller voir les deux autres là-bas. Transporteur. Ça doit pas être très très grave. Bon. Allons voir. Lui là-bas il est tout seul. Ah, mais c'est un mineur. Bon, jusque là il n'y a pas trop de... de vilaines choses. Un autre Sidewinder. Pas recherché non plus, donc ils font la protection du truc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. S'il y a plus rien là-dedans, par contre, on va se bouger, hein. Olé. Piou. Alors, toi. Transport, non plus. Bon, bon, bon. On va considérer qu'il n'y a rien et j'ai bien envie de bouger, de changer de ce système, de sortir de ce système, chers amis. Donc, oh la vache, les noms de système. Shiza, tiens. On va à Shiza. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais je suis stupide. Je suis dans le champ gravitationnel. Qu'est-ce que je suis con. Hop, je remets le détecteur en premier G entre guillemets. Normalement, je vais mourir. Là, je vais mourir. Normalement. Je devrais. Mais bon, ce n'est pas grave. On remarquera qu'il y a un champ gravitationnel là où je suis. Wouhou! C'est génial, ça! On va se faire de l'argent. Jackpot. 33 points objets sur le mec découvert. Parfait. Bon. Du coup, il n'y a strictement rien dans le coin. Si, il y a deux petites stations. Les Bellalones. On va aller là-dedans. Si on peut éviter le côté, je vais rentrer dans le soleil pour pouvoir y aller, ça pourrait être cool. Merci. C'est parti. Boum. Un petit peu d'exploration, c'est toujours cool. Prochaine étoile, si on peut, on fait une petite, enfin un petit plein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pending. Donc on va rien trouver.
Hop. Voilà. Un petit plein. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Ah. Ça, c'est cool. En plus, il est juste à côté. Allez, encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Alors, elle est par là. On va y aller en douceur. En douceur, j'ai dit. Hop. Parfait. Oula. Excusez-moi, c'est parce que je regarde un comment. L'application, je viens de télécharger l'application en fait qui va avec, mais apparemment c'est complètement inutile. Parce qu'il y a une application compagnon sur les Dangerous, mais ça a pas l'air top top. Hein. Ça a pas l'air top top. En fait, je la regarde parce que je voulais savoir s'il y avait vraiment des applications compagnons sympathiques, sachant que dans Fallout 4, il y aura une application compagnon. Bon, je doute de l'utiliser. Je préférerais peut-être sans doute passer par le Pip-Boy, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour vous, parce que vous pourrez voir l'interface, quoi. Pareil, désactiver, bah c'est parfait tout ça. On y va. Alors. Donc, on l'a vu, mais elle est au-dessus. Mais vous voyez que c'est bien par par le sens anti-horaire qu'elle tourne. Ok. Voilà. Banhub. C'est génial le nom. Oh, le bruit d'avion qui fait ce machin-là. Alors. Faut accélérer un petit peu quand même, faut pas exagérer. Hop, piste d'atterrissage numéro 42. 42, je te vois. Hop là. Voilà, ça se passe plutôt bien. Allons voir dans le spatioport. Alors, on va faire le petit plein qui nous reste. 13 crédits, ça coûte pas cher. Ici, qu'est-ce qu'on a? Mise à la retraite peu honorable. Bon, pourquoi pas. Donc, c'est dans le système Unomion. Pourquoi pas? On n'a rien d'autre. Bon. Allons voir alors. Allons voir, allons voir. Il y a un python dans le coin. C'est bon à savoir.
Unomion, bon bah. Écoutez, on va aller voir ça. C'est parti. Hop. Toujours un petit défaut au niveau de ce comment ça s'appelle ce joystick. Oh, Ice Explorer, je crois. Hop, un orca qui passe devant. Alors. C'est parti. Alors, donc on a un bonhomme à retrouver. À mon avis, ça devrait bien se passer maintenant qu'on sait qu'on peut chercher, enfin, on doit chercher aussi dans les vaisseaux normaux. Dans les vaisseaux qui sont vraiment en hyperespace, quoi. Alors, c'est là que ça va être drôle. Ah, objet astronomique découvert. Attendez. Moi, je vais m'écarter un petit peu. En plus, il y a un vaisseau qui tourne autour de l'étoile, donc bon, ça m'inquiète. Hop. Voyons voir. Aucune donnée. 25 objets astronomiques, c'est sympa. Jason Hayes. Recherché. Ah ah. Intéressant ça. J'ai comme qui dirait l'impression qu'il s'écarte le pauvre. Bon. On va quand même aller regarder qui on cherche exactement. Mike Daly. Ok, pourquoi pas. Cible. En navigation, pardon. Source de signal non identifiée. Voyons voir. Aurons-nous un peu de chance? Décélérer, faut pas exagérer non plus. Ça y est, on devrait être bon. Alors, avec un peu de chance, il est dedans. Et avec un peu de malchance, il est derrière nous. Mais j'en doute. Allez. Il y a déjà du vert dans le coin. D'accord. Blue. Alors, Jung. Apparemment, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Juste pour voir, ce serait pas le vert, hein. Non. Bon. Repartons, chers amis. Ça sert à rien de rester là.
Bah alors? Ah oui, c'est parce que je coupe. Oui. Alors, c'est parti. Apparemment, il n'y a personne autour de la main. Ah, ouais, mais c'est un verre, ça peut pas être lui. Alors, est-ce que ça pourrait être lui? Matidi. Non. Mike Daly. Python. Nom de Dieu. On va en chier. Pleine puissance. Voilà. Amende de 300. Bon bah ok. Je sens que je vais me faire défoncer, hein, mais bon, c'est pas grave. Interception réussie. Mais non. What? Où il est le haut? Où il est le bas? Ah oui, il faut que je change d'arme, ça va être mieux peut-être. Bon, je fais des choses vilaines, c'est pas grave, chers amis. On verra bien. On verra bien. Bouclier inactif. Je prends une quantité de dégâts complètement incroyable. Non, ok, c'est la fuite. C'est la fuite, chers amis. On fuit. Vite, vite, vite. Alors on a fait une grosse, grosse, grosse connerie. Je pensais que ça allait être faisable. Au final, ça ne l'était pas. Hop. Mais si, je les ai rangés. Mais pourquoi? Mais pourquoi je les range là? Ah. Ok, ma touche alors. Chers amis, pour vous dire tout ça, ma touche pour ranger mes armes ne veut plus répondre. Vous l'entendez peut-être? Ça y est. Voilà. Il a fallu que je la bourrine. Ça y est, on peut partir. Juste pour voir. Prime locale. Donc faut pas retourner dans ce truc là. Ok. Bon, on a fait une grosse connerie. Une grosse, grosse, grosse connerie. Fuite. Fuite, on va fuite. On va même fuiter à IP 20444. Histoire d'être sûr qu'on nous retrouvera pas. Faut partir loin.
Il est là. Hop. Ah. Alors. Intéressant ça, dis-moi. Oh, seulement deux. Pas intéressant. On n'a rien du tout. Bon, bah écoute, on va aller là alors. Etmanei. Oui, on va aller là. On va bien voir. Hein. Ah, excusez-moi. Ouah. Voilà. Petit éternuement de la mort qui tue. Je voulais éviter quand même. Bouah. On a pris énormément de dégâts quand même, faut l'avouer. Pending. Est-ce qu'on a une station dans le coin? Clerc porte. Ah bah tiens, des clercs. On va y aller. Hop, ils vont pouvoir me soigner. Enfin, croisons les doigts pour qu'ils le peuvent. Ah là là, et que je me fasse pas intercepter entre deux. Ce serait cool. Merci. Alors, on arrive peut-être un petit peu vite, j'ai l'impression quand même. Non? Non, ça va? Alors, nous y sommes. Enfin, nous y sommes presque. Donc cet épisode est un échec, hein, complet, encore une fois. Donc je vous invite quand même, si vous le souhaitez, à venir participer à une session de tournage, hein, m'inviter dans le jeu directement. Vous pouvez voir là. Hein. Commandant Marcus Bonus. Oula, paraît désactivé. Alors. Bim. Alors. C'est bon. Parfait, c'est des amis. Je vois pas piste d'atterrissage. Ok, je la vois. Alors. Plus dans le mauvais sens. Oh nom de Dieu. Ça, c'est de la manœuvre. Comme dirait l'autre. Alors, on se met dans l'axe. Ah, c'est pas aussi bien garé que l'autre fois, hein.
Voilà, bon, fais pas chier, fais pas chier. Service d'espace fort. Faites que vous puissiez me réparer. Putain, ils peuvent. Nom de Dieu. Faire le plein. Réparation, intégrité. Non, c'est bon. Ok, parfait. Bon, bah écoutez les amis, on va aller quand même voir s'ils peuvent pas nous récupérer quelques petites choses. On s'est quand même fait 20 000 crédits à force de vendre. Bon, c'est pas trop mal. C'est le début de la richesse, comme dirait l'autre. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop.